Bon matin tout le monde. Jour 1 sur la randonnée EBR 2022. Je suis encore chez nous en train d'apprécier mon petit café, mon deuxième de matin. Je me suis levé justement à 4 écarts pour pouvoir en profiter, ma petite tranquillité à maison, avant de partir sur la grande randonnée de 9 jours entre Franceville et Woburn. Là, ben, il me reste encore un petit peu de préparation à faire avant de pouvoir dire que je suis prêt. Fait que là, ben, moi, le matin, ma petite routine, même en sentier, là, c'est de prendre mon temps le matin, le petit café tout le temps pour être de bonne humeur puis apprécier aussi ma journée. Mais moi, ça me prend ça. Ça me prend un petit café le matin, la tranquillité. Fait que là, ben, il est l'heure que je commence à paqueter mes affaires, puis je suis juste rendu au. Je vais juste commencer à boire mon deuxième café. Fait qu'il faut que je m'active parce qu'en réalité, j'ai à peu près 1 heure de véhicule à faire. Puis je suis prêt à 80%, là. Il reste juste mon linge à paqueter. Puis après ça, faire une première pesée pour me donner une idée si le poids que j'ai apporté a du bon sens. Là, je vise le. Si j'étais à 25 livres, je vais être vraiment content. Mais je pense plus que je vais topper à 28, puis plus que ça, il va falloir que j'en garde pour enlever des affaires. Bon, ben, j'ai commencé à paqueter les affaires dans le char. Il faut que j'accélère parce que moi, je m'étais dit que je partais à 1h30. Il est rendu 21, je suis même pas encore habillé, je suis encore en pyjama. Moi, si je peux relaxer jusqu'au bout, j'en profite. Fait que là, j'ai paqueté mes 3 sacs de ravitaillement. Puis après ça, ben, vu qu'on va avoir de la neige, il a fallu que je pense à emmener mes raquettes, bâtons. Là, j'ai ma première pesée de fait. Là, je sais pas si vous allez le voir, là, mais c'est comme à l'envers. En tout cas, c'est 26 livres et demi. Ouais. Puis là-dedans, j'ai pas rajouté mon eau. J'ai tout. J'ai ma bouffe. Fait que je sais que d'habitude, juste sans les consommables, j'étais à peu près à 18 livres. C'est-à-dire que là, en rachetant mon eau, je vais peut-être me ramasser à 28 livres. C'est pas pire. Mais t'sais, il va falloir que je porte mes raquettes jusqu'à temps qu'on tombe dans la zone où il y a vraiment de la neige profonde. Là. Ça fait qu'entre les deux, je vais avoir quasiment 32 livres à traîner. Bon, ben, enfin, c'est parti. 6h42. Je vais avouer que j'étais un peu fébrile parce que je sais que la longue randonnée, physiquement puis mentalement, c'est difficile. On va faire de la raquette, ça, je m'en attendais pas pantoute. Ça fait que ça fait une charge de plus, ça fait que c'est physique un petit peu plus aussi. Je me suis payé des petits luxes au fur et à mesure de mes ravitaillements. Là, t'sais, je me suis emmené pour fêter ma première randonnée. Longue randonnée de la saison. Je me suis traîné un steak que j'ai congelé, qui va décongeler toute la journée. Ça fait qu'en soirée, je le fais chauffer, mais c'est un poids supplémentaire. Là, t'sais, c'est pas des nouilles. Et une petite bière. Puis au fur et à mesure, je vais me ravitailler aussi une petite bière ici et là. Parce qu'il n'y a pas de dépanneur. Puis c'est le fun là, de relaxer là, avec une bonne petite IPA là, sur le bord du feu. Fait que là, c'est parti pour Woburn. En théorie, je vais arriver sur place vers 7h15, 7h30 là. On va voir. Fait que là, ben, on recule puis on y va. Bon, ben, c'est parti. On part de Franceville. On va aller faire aujourd'hui le sentier des Cimes à Franceville. On fait la traversée puis on va aller coucher à Grand-Ours. Là, ben, on est une belle petite gang. Je suis comme le dernier, comme c'est là. Là, on dirait qu'ils m'attendent tous pour une photo. Ça fait que je vais aller faire ma petite photo. Puis, on s'en rejase tout à l'heure de savoir comment ça se passe.
Ouais, c'est humide, mais on est vraiment bien. Par exemple, au sommet comme ça, un petit vent là, qui commence. Hey, c'est vraiment mystique intense, hein? Ah oui. Quand on arrête, là. Il est là. Quoi? L'observatoire. Ouais. Ouais, oui, je l'ai vu tantôt. Une couple de photos, ça va. Bon, ben, Krim, je suis en train de faire la descente. Je reviens justement à des cimes. Fait que ça se fait super bien, malgré que mon sac il est loadé, que j'ai mes raquettes, de la bouffe un peu trop pesante pour rien. Je dois avouer que malgré tout, je me sens super bien. La nature est vraiment belle. Là, on a une petite brise, c'est frais, légèrement frais, parce qu'en haut, on se fait manger par les mouches. Même si on était sur les cimes, puis là, on dirait dans le sous-bois, il y a peut-être une petite brise qui vient de la vallée qui nous refroidit. Ça chasse légèrement les mouches. Mais c'est super le fun, super plaisant. La gang est vraiment le fun. Là, je jase avec Yannick. Ça donne bien. Beaucoup de plaisir. Puis ça l'augure bien pour les 9 jours en cours, les 9 prochains jours, genre. Fait que là, je pense qu'éventuellement, il faudrait que je fasse un petit refil d'eau. Là. On entend un petit ruisseau en bas. Fait que genre, je profite toujours pour me garder quand même assez hydraté parce qu'il fait chaud. Pour pas avoir mal à la tête, garder l'énergie que j'ai comme celle-là qui est vraiment bonne. Ça va bien. Fait qu'après ça, on va se préparer éventuellement à remonter vers le sommet, ben, près du Mont Mégantic. Après ça, on descend vers la Grande Ourse pour aller passer la soirée là. Puis partager notre journée avec les autres membres de l'équipe qui sont un petit peu éparpillés partout sur le chemin. Là, comme c'est là, nous, on est comme les derniers. Là, moi, je me suis mis un petit peu en retrait, justement, pour pouvoir me filmer un petit peu sur le beau sentier qui est ici. Je suis comme le dernier. Éventuellement, on va tous se rattraper. On prend des pauses et c'était là. On s'attend à des fausses intersections, puis on échange sur notre ressenti. Fait que là, je suis agréablement surpris, puis c'est vraiment une belle organisation. Fait que on continue à randonner dans le plaisir. Ouais, ben. Comme c'est là, on entend l'orage. Je voulais un peu de pluie pour pouvoir faire cuire mon steak parce que comme c'est là, tant qu'il pleut pas, on peut rien faire. Là, l'indice d'inflammabilité est extrême. Mais là, attendez un instant. Il était supposé de pleuvoir, puis là, à date, on n'a rien eu. Je sais qu'on a eu un petit peu dans la soirée. Puis un matin, je voyais que sur mon véhicule, il y a quelques gouttes. Fait que je me disais que c'était peut-être ça qu'on allait avoir, mais là, non. Je pense que ce qui nous attend, genre un 10 mm de pluie va nous tomber d'un coup sur la tête. C'est peut-être une bonne affaire parce que là, c'est dangereux de faire des feux en forêt. Puis moi, ben, j'ai un steak à me faire cuire. J'aimerais ça le faire sur la braise. Je sais pas si vous l'entendez. Ça va finir par arriver, cette pluie-là. Je sais pas, ça va être violent ou ça va être des petites brindilles de même, là, juste pour nous obliger à mettre notre imperméable. Bon, ben, j'étais avec Yannick. On est arrêtés toutes les deux faire un beau petit refil dans ce beau petit coin d'eau. Bucolique. J'ai pu essayer mon beau stéripène. Là, ben, on est reparti pour quelques kilomètres encore. Je sais pas si on va recroiser notre gang. Ça reste à voir. Ouais, on a un petit peu de neige. On est le 15 mai. Un petit peu de neige, mais c'est les premières traces que je croise là. C'est sûr, on le sent de toute façon. Le fond de l'air, il est vraiment plus froid. Ouais, ça fait du bien. Là. Je commence à avoir chaud.
On continue à la recherche d'autres traces de neige dans le sentier parce qu'on le voit ici dans le bois. En autoroute un petit peu, il était là. Mais c'est rien pour empêcher d'avancer. C'est le sentier est quand même super bien dégagé. Ouais, ben là, on est dans le nerf de la guerre. Ça monte. C'est dans la brouette. Notre sentier est un ruisseau. Mais apparemment qu'il nous resterait moins d'un kilomètre avant d'être à l'abri des trois sommets. Après ça, ça redescend. Puis après ça, il y a un membre de la famille qui est en difficulté. Je pense qu'on va remonter pour redescendre, pour aller l'aider. Je pense qu'on va, aller chercher son sac pour l'alléger, pour qu'il puisse être capable de finir sa journée en beauté. Bon, ben cool. On a fini par y arriver. Le sauvetage s'est bien passé. Fait que là, je suis arrivé à mon campement numéro 3 dans le Grand Ours. Au petit spot, on voit qu'il y a une petite zone sexite, là, ça fait que c'est sûrement là que je vais m'installer. S'il y a pleuvoir pendant la soirée, au moins, ça sera pas en trompe. Je vais monter ma tente parce que là, il ne vente pas, il ne pleut pas, c'est juste parfait. C'est même un peu frais. Ça fait que là, j'étale mon stock et puis on monte le campement. Ouais, ben ce petit café-là, il va faire du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas bu ça, un bon petit latte vanille, quelque chose comme ça. Oh, après ma petite randonnée de même, c'est réconfortant. On entend Yannick qui parle de sa flore intestinale. Ah! Fait que là, pas mal, je suis setupé pour ma tente, mais j'ai pas setupé l'intérieur encore. Là, je me suis gardé ça comme activité pour compléter ma soirée. Étaler mon ma mousse, mon matelas gonflable. Après ça, mon sac de couchage, mon liner à l'intérieur de mon sac de couchage. On devrait être bien, annonce pas si frais que ça en plus. Ce qui est cool en plus, c'est que je vais pouvoir laisser toutes mes affaires ici pour demain. Parce que demain, dans le fond, on parcourt les trois sommets du Mont Mégantic. Fait que on a, dans le fond, ma plateforme est réservée pour 2 jours. Fait que ça, c'est le fun. On va être prêt demain. Suite à partir en randonnée, je vais déloader mon sac. Je vais partir avec un minimum. Puis on va pouvoir parcourir les trois sommets presque à l'aise. Ça nous prend un peu d'eau, un peu de nourriture, puis c'est tout. Fait que ça risque d'être une belle journée, mais on n'est pas encore rendu le lot aujourd'hui. C'est ça va être l'heure d'essayer de me faire un steak dans ma gamelle. Fait que là, faut que je coupe ça en bout, que je fasse fitter ça dans mon petit... dans ma tasse habituellement que je fais bouillir mon eau. Mais au moins, je vais te rouler une petite bière pour accompagner ça. Ça a été le début de la saison de la longue randonnée. Là, ben, je pense qu'il va falloir que j'aille en trois shots. Fait que là, j'ai coupé mon steak. Je vais couper mon steak en trois. On va manger ça style carnivore, là, un peu comme ça, gnang, gnang. D'après moi, ça devrait être pas si pire, mais c'est ça. C'est pas l'idéal pour une belle viande de même. Ça aurait dû être soit sur une roche, chauffée avec un feu de bois ou directement sur la braise. Mais là, ça sera pour une autre fois. Tout le temps, j'assaisonne ça tout le temps, mon petit steak là, avec mon sel au poivre. Tout le temps prêt à faire feu, un mélange genre moitié-moitié. Il faudrait que je regarde un peu, j'avais déjà fait les calculs, je l'avais déjà diffusé sur ma chaîne. Mais ça fait tout le temps que c'est un bon steak, puis moi j'aime ça quand c'est de même. Là. Saignant. Donner une petite shot basite, là, pas mal rouge. Là. Ben, bon, mais ça bleu, mais là, vraiment. On va réchauffer ça un peu. Mais bon. Ça
pense que ça va être ça pour le souper. Bon matin tout le monde. Jour 2 sur l'expédition des Braves Randonneurs 2022. Un matin, il est rendu 6h38. On commence de haut, pour ma part, avec un bon petit café. Là, ben, un matin, on se réveille avec un ciel gris. Mais une belle température, je suis bien là, comme c'est là. J'ai pas eu froid cette nuit. Ça part bien la journée, là, parce que ça m'empêchera pas de... C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon petit café plus de bonne heure que prévu, parce que je m'étais mis une alarme à 7h au cas que je collerais dans le lit. Mais là, on est tellement bien, c'est facile de se réveiller dans ce temps-là. Puis là, je vais pouvoir prendre un petit peu d'avance, parce que moi, j'aime ça prendre un petit café le matin avant de partir. Je pense que le départ est prévu pour autour de 8h. Aujourd'hui, ça va être les trois sommets du Mont Mégantic. Là. Mégantic, Victoria et Saint-Joseph. Bon, ça fait déjà 5 minutes qu'on est parti toute la petite gang. Puis là, ben, je suis déjà en train d'enlever des morceaux, il fait chaud. Enlever le petit polar que j'avais. Puis après ça, ben, j'ai enlevé mes bas de pantalon. Parce que c'est vraiment humide. Je sais pas si c'est mes lunettes ou quoi, mais j'ai l'impression que tout le temps, une petite brume dans l'air. Puis ça, on manque d'eau. On le voit dans le sentier ici, là. Mais quand même des petits trous d'œil et c'était là. Puis là, ben, ils font beaucoup de bruit parce que c'est la fonte des neiges. Puis en théorie, il est supposé d'avoir de la neige un petit peu plus haut au sommet, là. La semaine passée, ils nous recommandaient de... Peut-être traîner nos raquettes pour faire la balance du sommet, je pense. À 750 mètres de la neige. On va voir. Il y a toujours un petit shortcut là, que je me rappelle là, qu'on peut, à la limite, si on va aller voir l'observatoire piqué de travers pour aller au comme accéder au chemin d'asphalte. Là. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Si on persiste et qu'on veut vraiment aller au sommet, je vais peut-être regarder pour prendre ce petit shortcut-là pour le faire, sans nécessairement être dans le sentier, mais au moins prendre le bord du chemin et faire ça à pied. Puis après ça, on va sûrement avoir un plan de match pour rentrer au sommet, si on fait les trous, si c'est trop de neige, qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'en fait, 4 scénarios, on va tout valider ça, rendu près du sommet du Mont Mégantic. Ouais, ben dans les sentiers, il y a vraiment de l'eau partout, là. Une petite rigole là. Il y en a un autre site. Là. Ouais, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le sentier. Une rigole ici, une rigole là. Fait que ça ici, c'est le sentier. Là, on voit, il y a une rigole ici. Il y a une rigole là. Ça, c'est le sentier. Fait, c'est pour ça, à un moment donné, que les sentiers finissent par s'élargir parce que tout le monde veut éviter de se mettre les pieds dans l'eau. Fait que là, on se tricote une trail là, le printemps, c'est ça. Surtout qu'ici, il y a encore de la neige au sommet, c'est normal que ça, qu'il y ait des rigoles parce que dans le fond, à fond, puis ça l'emmène de l'eau dans les sentiers. Fait que d'après moi, ça va être ça, une bonne partie de la montée. On va essayer d'éviter de se mettre les pieds dans l'eau. Ah, on a un beau point de vue sur la vallée. Mais on a croisé un petit peu de neige, on en voit un petit peu en bas, là, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, on le voit. Puis là, justement, c'est bien ce que je pensais, on aurait un plan B si jamais, quand il nous reste encore 1,6 km, si on croise trop de neige, on peut toujours redescendre, puis accéder au Mont Mégantic par le chemin de la montagne.
On est arrivé à 10 ans, c'est pas grave, c'est pas loin, c'est super bon. Ben oui! Mais il y a des affiches, pareil, on en a une à l'entrée du... Ouais, mais on a une belle gang. On vous donnait une demi-heure, on est arrivé à 10h, on va aller jusqu'à 10h30. Dessus du Mont Mégantic, c'est le premier de la journée, il nous en reste deux. Mais on va relaxer, moi je pense que je vais déjeuner, puis reprendre un peu d'énergie. Je repars du refuge des Trois Sommets. Là, je suis, si vous le voyez, je repars seul. Je laisse mes deux comparses au refuge. Eux autres vont descendre, vont redescendre à Grand Ours. Ils sont un peu en douleur, les genoux et tout. Ça fait que là, ils prennent pas de chance pour être capables de compléter leur 9 journées. Le 7 autres journées, je crois, à peu près, qu'il reste au décompte. Fait que j'ai décidé de quand même compléter cette petite partie-là, qui est juste une boucle des Trois Sommets. J'ai complété un matin le Mont Mégantic. Là, je vais essayer de faire Victoria, mais ça se peut qu'il y ait beaucoup de neige puis que je sois pris pour ne pas le faire. Et je vais tout de suite aller faire le Mont Saint-Joseph. Si jamais Victoria, c'est pas possible. Puis je reviens à Grand-Ours, avant la noirceur. Je voudrais remercier Monique qui m'a prêté ses crampons. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même difficile, là, l'enneigement, la glace, plutôt que sur les sentiers, là, comme on voit un peu ici. Là. Ouais, c'est ici. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, c'est glissant. Je suis tombé 3 fois. J'ai même plié un peu un de mes bâtons d'aluminium. Vive l'aluminium parce que ça se ramène. Ça aurait été des bâtons en carbone, ça aurait cassé, j'aurais perdu un bâton pour mes 7 prochains jours. Ça aurait été de valeur. Fait que là, je vais marcher prudemment parce que là, je suis tout seul. Les sentiers sont vraiment plus enneigés. Apparemment que Victoria, là, ça serait pas praticable. Je voulais aller voir. Je vais me rendre jusqu'au bout de cette affaire-là. Puis... on va tenir au courant de les conditions, des conditions des sentiers. Voilà. Ouais, ben ça s'en vient bien. Je suis presque rendu, sauf que les derniers petits bouts sont quand même pas mal inclinés, puis on le voit, là, sont quand même enneigés aussi. Mais c'est pas vraiment un problème parce que ça porte en masse. Mais je suis content d'avoir les crampons à Monique parce que ça me permet d'avancer au lieu de reculer, là, parce qu'incliné de même, tu t'avances, puis là, tu glisses, puis t'avances, puis tu glisses, puis finalement, tu fais du surplace. Mais je vois ça, là, en haut, là. Tu sais, quand on voit un petit peu une affaire de même, lorsqu'on voit le soleil à travers les arbres, puis qu'on n'est pas... on n'a pas moins de regarder la tête, le cou cassé, là. C'est un signe qu'on est vraiment proche du sommet. Oh, oh! On est rendu sur le sommet du Mont Victoria. Moi, de mes souvenirs, ça ressemblait pas à ça, pas en tout. Ou, il me semble qu'il y a un belvédère plus loin, là, mais en tout cas, je pensais pas que c'était ça, le Mont Victoria, je vais être honnête avec vous autres. On a un point de vue sur, je sais pas si ce qu'on voit quelque part là-dedans, c'est Franceville, genre, les cimes. Mystère. Je pense que c'est ça, c'est une partie des cimes là, qu'on aurait monté hier. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben moi, je continue. Finalement, l'ascension, ça se fait bien. Pas bien, bien compliqué. C'est juste qu'il y a un petit peu de neige au départ, puis un peu à l'arrivée, puis on le voit, là, moi, je m'en vais par là, c'est clean, là. Ça fait que... je suis à 0.8 km de... du pic des crépuscules, puis j'étais à 2 km du Mont Saint-Joseph. C'est pas si pire. Puis là, rendu à cette hauteur-là, là, un coup qu'on est rendu là, on a des petites descentes, des petites montées. Mais là, on est au même niveau que presque le mont. Je sais pas si on va bien le voir. Le Mont Mégantic. Quelque part là. Je sais pas si on le voit bien.
En tout cas, l'observatoire est là. Quand on regarde de même, en théorie, je pense, en frais de chiffre, on est comme 40 mètres ou 50 mètres plus bas. Puis le Mont Saint-Joseph, il est comme 10 mètres plus haut que le Mont Victoria, genre. Ça fait que, tu sais, ils sont tous au même niveau. Ça fait qu'un coup qu'on est rendu à un, après ça, ben c'est de se rendre aux autres, c'est juste de descendre puis de monter un peu. Là, c'est encore pas si pire. C'est pas comme ça, on partait de l'accueil puis qu'on montait le Mont Victoria d'un coup. De toute façon, ça se peut pas. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est tout le temps donner une petite go pour monter un des sommets, puis après ça, il reste juste à faire les deux autres rapidement. En tout cas, ils vont se faire rapidement, c'est pas bien compliqué, sauf que, c'est ça, là, les conditions, comme c'est là, c'est de la neige au début, de la neige à la fin, puis entre les deux, c'est bien de la bouette. Mais à l'été, ça se fait super bien, là. Ce qu'il y a, c'est que, ce qu'on a comme c'est là, on est un peu chanceux. Il n'y a pas trop de mouches, mais l'été, c'est ça. On a peut-être des belles conditions de sentier, mais c'est la mouche qui nous suit, c'est à des pégales, les frappes à bord, puis tout. Bof. On est encore chanceux. Ça fait que même si un petit peu de neige dans les sentiers, on n'a pas trop de mouches autour de nous autres. Ça fait que c'est des compromis à faire. Hein. Tu veux pas de mouches, ben tu vas avoir de la neige. On a un méchant point de vue. Je sais pas si c'est ça le pic du crépuscule, mais c'est fou, là, la vue. Parce qu'il n'y a pas de pancarte, mais c'est tellement une méga vue, puis c'est super aménagé. Fait que je sais pas si c'est ça le super pic du crépuscule, mais vraiment une belle place. C'est assez hallucinant. On remonte une deuxième fois. C'est fou. Tain. Finalement, le pic du crépuscule, là, c'est pas la petite affaire qu'on voit là-bas. C'est ici. C'était pas bonne place pantoute. Puis ça devait être ici qu'il y avait un belvédère dans le temps. Là. Fait que je pense que dans ma vie, j'ai jamais fait le tour des trois sommets. Ça va être une première cette année, 2022, dans l'expédition des braves randonneurs. On a encore une belle vue sur le mont Mégantic. Puis c'est ça, la vallée est assez impressionnante. Les cimes dans Franceville, le mont Victoria, la vallée, c'est Mégantic et le lac Mégantic. Fait qu'on n'est pas bien loin du mont Victoria. Pas Victoria, ouais, on dit Mont-Saint-Joseph. Je sais pas, 1,6 km, même pas, peut-être. Fait que, on continue à avancer, on va aller faire le troisième sommet de notre journée. Méchant beau petit chalet ici. Hein? Ça a-tu de l'allure? Mais la vue, elle aussi a bien de l'allure. Je vais faire un tour au Mont Mégantic pour voir ces beaux petits chalets-là. Allô, le Mont Saint-Joseph! Ouais, ben ça a l'air, j'ai skippé le Mont Saint-Joseph. Je pense que j'ai manqué l'entrée. J'ai vu une pancarte qui disait que c'était pas recommandé pour les randonneurs de passer par le sentier à cause des câbles, des fois qui chargent de glace puis tout. Fait que je pensais qu'on aurait eu un accès par en arrière. Puis ça a l'air que je l'ai manqué. C'est triste. J'aurais pas été voir la belle petite chapelle puis tout, mais en tout cas. C'est le principe qui compte. J'ai quand même passé autour. On peut dire que j'ai passé dessus. Tiens, le refuge des pèlerins, une autre belle place. Enfin, mon shortcut. Il est 5h20. Je suis brûlé raide. Mais, enfin, on est arrivé.
il nous reste peut-être, je pense que c'est 1,3 km à faire, là, je ne sais plus trop. À un moment donné, je perds le compte. Mais on est sur la voie du retour. Le chemin du retour, que je devrais dire plutôt. Le belvédère du soleil. Je m'attarderai pas trop parce que c'est ça. Et finalement, il me reste vraiment 1,3 km à faire pour me rendre à Grande-Ours. Si je veux souper avant l'année prochaine, chose bien de continuer sur ma lancée. Bien sûr, enfin on est rendu. Ouais. Le petit pont un petit peu plus loin aussi qu'on se ravitaille. Oh, je suis pas mécontent. Ça va être un petit peu plus loin, j'ai l'impression. Et là, le petit retour que je parlais, qui est juste à côté des refuges de Grande-Ours, des petits chalets loués, des plateformes. Ben, je pense que je vais me faire un refil d'eau tout de suite parce qu'en arrivant, je pense que je vais me faire un petit mélange électrolyte là, style Gatorade, mais un autre marque, mettons. Puis je pense qu'on va m'ouvrir un petit salami là, épicé, accompagner tout ça. Donc, je me mets là-dessus, je pense, puis avant de perdre connaissance, genre. On a été accueillis par à notre refuge. Vu que je suis arrivé un petit peu plus tard, le monde m'a accueilli les bras ouverts avec une petite bière d'un petit couple qui sont qu'on a croisé, moi, Jannick puis Monique dans le sentier. Eux autres ont un style de camping spécial. Ils marchent rapidement avec le pactage. Hein? C'est comme du trail running avec du camping, du true hike. Style spécial, j'avais jamais entendu parler de ça. Va falloir que j'explore le genre, mais c'est un petit peu trop extrême pour moi. Je trouve ma journée, juste celle que j'ai faite aujourd'hui, j'en ai eu plein mon casse. Mais là, c'est ça, ils m'ont offert une petite bière sûre et j'ai accepté volontiers. Je m'attendais pas en tout à ça. Je m'attendais pas de boire une petite bière aujourd'hui, mais avec une journée rough de même. Pas tant en distance, mais je pense que c'est plutôt en inclinaison. Ça a été quelque chose. Fait que là, ben, je m'apprêtais justement à aller souper. Là. Je tiens tous mes petits accessoires pour aller souper avec la petite famille, notre famille de randonnée dans notre beau petit refuge. Je vais en profiter, c'est notre dernière journée en refuge. Je vais essayer de faire sécher mes souliers. Puis on va espérer que demain matin, je vais avoir des chaussures secs, même si je sais que ça t'offre pas longtemps, mais au moins, tant que ça dure, on a du plaisir. Bon matin tout le monde. On est rendu le jour numéro 3 de l'expédition des braves randonneurs. Je t'ai dit que la température incite pas à se mettre le nez dehors. Fait que là, je suis en train tout de faire mes petites affaires à l'intérieur dans ma tente. C'est mouillé partout. Même un petit peu à cause que mes côtés de tente sont pas assez bas. Il aurait fallu que je prévoie ça en me couchant, là, qu'il allait pleuvoir puis redescendre un petit peu plus mes toiles. Fait que j'ai eu comme des petits retours de gouttes là, sur mon screen. Fait que là, aujourd'hui, c'est rare, c'est pas dans mes habitudes, là, mais il a fallu que je me batte derrière pour me lever, pour finir de tout ramasser mes affaires pour partir à une heure spécifique, 8h15, parce qu'on descend à l'Astrolabe. Après ça, on est supposé avoir une projection pour notre petit groupe qui va raconter, je sais pas trop quoi. La dernière fois, j'ai été voir une projection à l'Astrolabe, c'était sur la naissance de l'univers. Là, c'était assez hallucinant. Ouais, ben un matin, ça prend le petit cache-cou pour marcher, puis si j'ai mis mon manteau de pluie, c'est pas parce qu'il pleut, c'est parce qu'il y a une petite brise assez fraîche. Quand je me suis réveillé un matin, il disait qu'il faisait neuf, mais ressenti
6. Fait que c'est pas chaud même un matin. Là, je suis content d'avoir eu le petit refuge là, pour pouvoir me réchauffer parce que, comme d'habitude, quand il fait frais, j'ai mal aux mains. Puis pourtant, j'étais en gogoune dehors, puis on dirait que les pieds ils sont capables d'en prendre plus. J'étais quand même bien en gogoune parce que j'avais laissé mes chaussures justement à l'intérieur à se faire sécher avec mes bas. Mais là, on y va pour de vrai. Ça sera pas de même là, au camping de la base plein air de la Patrie. Nos affaires, s'ils sont trempes, ben il va falloir qu'on s'endure. Il n'y aura rien pour les faire sécher. En tout cas, c'est ce que je pense. Fait que là, on descend tranquillement pas vite vers l'Astrolabe. Comme je dis, on va avoir une petite projection. On va aller voir ça, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à nous montrer. Puis ça va nous permettre de nous tenir encore à une petite place là, qui est chaude avant de partir au froid, à la pluie et ouais, une petite brise dans l'air. Fait que là, il y a Monique, Marc et Jannick qui ont commencé à descendre tranquillement pas vite. Là, moi, je vais commencer à me descendre tranquillement aussi. Il reste Alain et Linda à l'intérieur qui sont en train de fermer l'abri, le refuge. Fait que là, je vois que c'est un beau ruisseau dans le sentier. J'ai le choix. Soit que je vais suivre la première petite gang, ou je pourrais, si je voudrais être chill, là, descendre là. Je pense que je vais descendre tranquille dans le grand chemin de gravel. Parce que là, je vois les sentiers sont trempes. Je vais essayer d'exenter mes pieds un petit peu là, de se faire mouiller. Fait que ben, moi, je prends le grand chemin puis on va prendre ça relax ce matin. Là. Je pense qu'on va faire ça. Bon, ben c'est reparti. On est sur le SF9. On est sur notre départ, les quelques premiers centaines de mètres. Puis j'ai pris les devants avec mon jumeau de manteau, Jannick. Puis là, le défi, je pense que je viens de le perdre, c'était d'avoir les pieds secs le plus longtemps possible. Parce qu'il y a ça... On a eu une belle orage hier, ben une orage en tout cas, une bonne averse, en soirée, dans la nuit plutôt. Là, ben, le défi c'était de réussir à se garder les pieds au sec le plus longtemps possible, mais moi déjà le pied droit, il vient d'y goûter. Reste à voir si Jannick a été plus chanceux que moi, mais il me reste toujours le pied gauche. Ben, j'ai pas encore tout à fait perdu le défi. On va voir si on peut se rendre loin avec cette affaire-là. Je sais pas si vous l'entendez, mais il pleut. Mais c'est pas désagréable parce qu'on est toujours dans un très beau paysage longeant un beau petit ruisseau bien droit. Apparemment que c'est un ruisseau qui a été aménagé pour la pisciculture un petit peu plus bas. C'est quand même plaisant, là, on longe ça une partie du sentier. Même si on se fait mouiller, il y a quand même toujours un peu de plaisir à travers ça. Hey, ça serait-tu le fun? Hey, ça veut. Hey, il y a tellement d'eau dans les sentiers là, qu'on se créerait dans les sentiers en Floride. C'est fou. Là. On n'a pas le choix. Là, les souliers trempent, là, c'est d'office. Ouais, ben là, ça se passe quand même bien. Dans le sentier, là, il y a eu beaucoup d'entretien par rapport à l'année passée quand je l'avais fait au mois de juillet. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus, le sentier quand même large, bien balisé.
Il l'était déjà, mais là, c'est comme plus évident de le voir puis qu'il y a moins de... Le sentier est un petit peu plus large, là, ça fait que c'est parfait. Ouais, ben on est arrivé. Voilà, un camping, basse plein air, la petite. Puis on a un beau setup de toile. L'organisation des sentiers frontaliers nous ont installé pour nous protéger de la pluie, même si on a des tentes. On a un beau setup aussi ici. Un genre de plage, de galets. On est pas mal gâtés, on a un beau spot pour passer la soirée, yes! Elle est venue pour les deux journées où il annonçait de la pluie battante. Ouais, puis il y avait eu les deux. Ouais, ben il pleut. C'est ça qui était les bien. Deux belles journées. On a une belle petite gang. Oui, j'ai vu ça. Je pas mal courageux. Oui, oui. C'est vrai. Ouais. Oh, l'autre bord, dingue. Bon matin tout le monde, jour numéro 4 sur l'expédition des braves randonneurs. Voici mon emplacement puis mon beau point de vue que j'avais. Direct sur le bord de la rivière, près du camping. La base plein air de la patrie. Un matin, j'ai été chanceux, la belle organisation des sentiers frontaliers nous ont organisé un beau petit abri hier pour souper, puis un matin, on peut en profiter encore un peu, puis nous ont même fait un beau petit feu. Déjà tout bien préparé, je me suis levé un matin, on m'a invité à venir me réchauffer. Là, j'ai ressorti ma belle petite tasse. Comme cet hiver, là, je fais bouillir mon eau sur le feu parce que malheureusement, ma petite bonbonne de 4 onces est morte. J'ai fait deux, trois repas avec ça. J'ai fait deux, trois cafés, pouf, pur drink. Fait que là, j'étais un peu mal organisé. Mais heureusement, là, on a du feu. Il y a Berthaud qui est là. C'est lui qui nous a tout préparé ça. Fait que là, je tarde le départ parce que dans le fond, je suis pas mindé, il fait frais. Mais éventuellement, ça va finir par arriver. Fait que là, je suis en train de me faire bouillir de l'eau pour une petite tisane aux épinettes. Prendre le temps pour me réchauffer bien comme du monde avant de partir parce que là, il fait genre moins 3, moins 4. Ouais. Dure matinée. Bon, ben vous voyez, j'ai Mathieu. C'était encore un petit peu frais à matin, mais là, on est chanceux. Le soleil commence à sortir. Vous devez voir le ciel bleu qui est là. On est direct sur le bord de la rivière aussi. C'est le fun, c'est beau. Puis, on a des petits faux plats. Ça monte un petit peu dans le sentier qui longe le bord de la rivière. Mais je l'ai fait l'année passée, puis il me semble que c'était pas si pire que ça. Là, on serait après ça, on est en direction du camping de la rivière au saumon. Une petite plateforme que les sentiers frontaliers ont installée, puis vraiment une belle vue. Là, ben, je pense que je vais me réhydrater un petit peu pour pas justement perdre ça, là, puis que le mal de tête me pogne, là, parce que j'ai trop chaud. Puis même à ça, je viens de penser à ça. Je pense que je vais enlever ça. On commence à être bien, puis là, en plus, il pleut pas. Ça fait que ça sert à rien que j'aie un coupe-vent puis que j'aie chaud à outrance. Là. De toute façon, la température s'en va en montant. C'est pas comme si on était en fin de journée. Je pense que je vais enlever ça, ce petit coupe-vent-là par pluie. Et voilà, on est prêt pour plusieurs kilomètres. Vous allez m'entendre, mais on est rendu aux chutes de la rivière au saumon. C'est quand
quand même assez impressionnant. J'ai passé là l'année passée, mais d'après moi, il n'y avait pas autant de débit. Là, avec la fonte des neiges et tout, là, c'est assez impressionnant. Là, ça a l'air qu'on est pogné pour enlever nos souliers. Moi, je les garde, là, mais on a ça à traverser. C'est Jeannick et le cobaye. Tiens, Jeannick, ça sauce. Ouais, moi, je suis en train de te filmer ça. Ah! Puis, on est-tu bien? Ouais. Les Wise ont attendu le soleil pour traverser. Et voilà. On a un autre plus loin. Oh, yes. Fait que ça, c'est style Jeannick. Moi, j'ai décidé d'y aller avec mes souliers de toute façon qui sont trempés. On remonte les pantalons puis on traverse. Ah, un crime, mais pas si pire. Ah, je dirais un 62. 62 humide. Ouais, un peu humide. Mais crime, ça se fait bien. J'invite tout le monde à venir faire ça. On est bien ici sur le bord de la rivière. Ouais, ben cette fois, c'est la bonne. On voit le signe quelque part sur l'arbre là. On est supposé de traverser ici. Puis aboutir quelque part là-dedans. Puis je m'en souviens l'année passée, on ne le verra pas, là, mais moi je l'avouais, il y a une roche là. Je pense que si je la pointe, oui, comme ça. J'étais assis là-dessus, puis je chillais là, pour relaxer parce qu'il faisait chaud. Mais là, notre plan. Malheureusement, c'est pas comme ça va, comme c'était prévu. L'eau est vraiment haute. C'est d'essayer de remonter un peu la rivière pour traverser quelque part dans les petits bouillons que là. Ça veut dire qu'il y a des roches assez hautes. Puis, c'est de trouver un spot là, sécuritaire là, entre parenthèses parce que je pense que c'est pas tant sécuritaire que la rivière est haute, mais on va s'essayer quand même. Mais c'est ça, il faut essayer d'aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose en arrière là. Qui serait potable. Bon, ben malheureusement, le projet de traverser la rivière, c'est bien trop dangereux. Moi, j'ai fait un aller-retour ici, là, mais j'avais l'eau aux cuisses. Puis même, Jeannick est allé explorer un petit peu plus haut. Moi, je suis retourné un petit peu plus bas. Il n'y a rien à faire. On pensait pouvoir le faire, mais c'est vraiment trop dangereux. Fait qu'au lieu de tout perdre, on va pas rebrousser chemin. Là, on va piquer à travers puis on va aller chercher le 8e rang. On va peut-être marcher un petit peu dans les broussailles, là, mais on n'a pas long à faire. Fait que, on va faire ça, bâtèche. Parce que sinon, ça devient dangereux. Là, puis juste pour l'exploit, je pense que ça vaut pas la peine. Saint-Jeannick puis moi, on a décidé d'arrêter dîner sur les beaux petits bancs des installations des sentiers du mini-compostel. Et comme d'habitude, un petit classique pour moi, le petit saucisson. Et toujours les petites nouilles ramen. Puis de la part de Jeannick, ben lui, c'est une petite soupe épicée. Puis elle a aussi un petit saucisson. Rien de mieux que des saucissons. Les saucissons, c'est la vie. Fait qu'on a rebroussé chemin, finalement, parce que c'était vraiment trop dangereux. Puis on a emprunté un petit sentier de travers. Puis on est tombé par hasard sur des sentiers de Compostelle. On a croisé des bénévoles en plus. Fait que plein de belles rencontres fortuites sur le sentier du SF9 puis qui devient éventuellement le sentier de Compostelle. Puis nous autres, bien, c'est ça qu'on va faire. On va suivre un petit peu le sentier de Compostelle SF9 puis on va finir par aboutir au rang 8. Puis notre campement, bien, ça va être dans le rang 10. C'est quoi l'abri des Appalaches ou c'est quel? Abri Wabanaki. Ah oui, c'est vrai, c'est le nouveau abri qu'ils ont installé cette année, ça? Oui, monsieur. Oh yes, moi je l'ai jamais vu. Plancher en chaîne, ils ne transporteront plus jamais des matériaux aussi lourds. Là. Ben, j'ai hâte de voir ça. Pour moi, ça va être la première fois. Ça fait que on va vous montrer ça tout à l'heure. On va danser cette carrée. Ah ouais, cette carrée, une petite danse en ligne. Wow!
Voilà le beau petit site où ce qu'on va coucher. Ça, c'est la vue en avant. Abri trois faces Wabanaki. Où est-ce qu'on a été accueillis par... Excusez, je suis en train de ramasser mes ustensiles de cuisine. On a été accueillis chaleureusement par Claire et Claude qui nous ont accueillis avec une petite coupe de vin, du chocolat, un orange et beaucoup d'amour. Ils nous ont fait aussi un bon potage lentilles avec les assaisonnements étaient super intéressants. Je pense que c'était de l'origan thym et du vinaigre de vin rouge. Fait que là, demain, il fait beau jusqu'à 1 heure, puis après ça, c'est de la pluie. On va espérer que ça va être encore plus tard qu'à 1 heure. Parce que c'est pas évident. Hier, là, il a plu, il a fait frette. On a commencé notre journée aujourd'hui avec les pieds trempés, les mains qui font mal parce qu'ils sont gelés. Heureusement, on avait un petit feu qui a été fait par Berthaud et André. Merci beaucoup, les gars. Là, aujourd'hui, on est encore chanceux. On a un petit feu. Moi, j'adore les petits feux en randonnée. On peut se dégeler les mains. Là, je commence à avoir frette parce que je suis pas assez habillé. On est sur le bord de l'eau. Le soleil se couche. Là, ben moi, je pense que je vais aller boire mon petit café. Je vais aller boire surtout mon eau qui est en train de bouillir. Puis je vais passer une partie de la soirée là, sur le bord du feu. Bon matin tout le monde, jour numéro 5 sur l'expédition des braves randonneurs. Un matin, j'ai décidé de prendre un peu mon temps pour justement... J'ai pris en charge d'éteindre le feu qu'on a parti en gang pour se réchauffer un matin parce que c'était beau, c'est beau, mais c'est pas chaud. C'est tout le temps agréable quand on est en randonnée d'avoir une petite chaleur avant de partir là, pour nous aider à décoller. Puis, comme je disais à Alain, moi, je suis plus ou moins à l'aise là, à parler devant mon téléphone quand il y a une grosse gang. Je suis pas encore assez habitué par rapport à ça. Ça fait que j'aime ça aussi, me mettre en retrait pour faire ma petite, mon petit vlog matinal. Fait que là, aujourd'hui, on est chanceux. On a vraiment un beau ciel bleu. Il annonçait de la pluie quand même un bon pourcentage au début de la semaine. Puis on dirait que tout ça, c'est repoussé, soit c'est dilué ou complètement disparu dans l'atmosphère, je ne sais pas trop. Mais on est chanceux aujourd'hui. Moi, je m'attendais à avoir plus de nuages que ça. Puis là, ben, c'est vraiment beau. Donc, on va en profiter. C'est pour ça qu'on voulait quand même partir pas trop tard aujourd'hui. Mais moi, c'est ça. Je traîne tout le temps un peu de la patte. Là, il est rendu 8h15. Mais j'aime ça prendre mon temps le matin. Ça me permet d'être dans ma bulle. Moi, souvent, je suis le même le matin. Là. Si je prends pas 2h, 2h30 pour me réveiller, là, ça me prend au moins ça pour devenir plus sociable. Ça fait que là, c'est ça. Je me suis levé à 7h, je serais pas parlé avant 9h30. Fait que ben moi, je vais me réchauffer un peu les mains auprès du petit feu qui... Il fume un peu, là, mais il dégage quand même une belle chaleur. Ça fait que je vais me dégeler les mains un petit peu. Puis malheureusement, il va falloir que je l'éteigne pour repartir la tête tranquille sur les sentiers. Puis mon paquetage est déjà prêt. Là. Il reste juste 2-3 petites affaires là, à mettre là, sur mes sacs, mes poches extérieures. Puis après ça, on va être prêt à partir rapidement parce que je suis le dernier de la gang puis j'ai pas le goût que les derniers m'attendent trop longtemps là, à relais, genre. Là. Fait que je pense que je vais partir ma journée direct de même. J'éteins le feu puis après ça, on part à marcher. Quel bord? Ah, ok, c'est ça, les états sont là. You see the line? Puis je vais te montrer une autre chose qui est quand même utile à savoir. État, Canada, ok. Monique
qui était en avant de moi est en train de m'expliquer à quoi ça servait les bornes intermédiaires sur la frontière. Parce que moi, c'est la première fois que j'emprunte la frontière du SF1. Puis c'est intéressant parce que c'est vraiment comme mes enfants disaient, eux autres, ils ont resté dans le coin de Woburn, fait qu'ils connaissent ça un peu, là, la ligne qu'on voit dans le paysage. Bien défriché, c'est, mettons, on peut dire c'est moitié-moitié. Moitié Canada, moitié États-Unis, puis au contraire, là, je suis au Canada, l'autre bord, c'est les États-Unis. Tout bien défriché. Mais là, on est chanceux parce qu'il y en a des gars qui l'ont fait le SFA l'année passée, puis quand la végétation prend de l'ampleur, là, c'est plus difficile, mais au printemps, c'est ça qui a de le fun. C'est que c'est dégagé pour avoir une meilleure... meilleure situation comme c'est là, c'est dégagé. Là, on a une petite brise, ça repousse les mouches. Il fait pas trop chaud. Là, sauf que là, le soleil s'est caché. En espérant qu'on ait pas de la pluie sur la tête avant qu'on soit arrivé à l'abri. C'est vraiment cool de voir la largeur de la trail. Il y a quand même une belle petite descente, une belle petite remontée. Mirvieux. C'est la première fois pour moi que je vois un beau monolithe de la frontière en beau granit. Ouais, c'est cool. Méchante belle vue sur le mont de marbre et les alentours. Ouais, ben, y a quand même des belles petites côtes à monter sur la frontière. On s'attelle, puis on va faire ça. Did I tell you how much I... Vas-y, Vanny, t'es parti pour nous dire quelque chose. Did I tell you how much I appreciated that... pour l'activité Astrolab, c'est ça que t'as dit? C'est ouais. L'activité de famille, on y va en famille. Ah ouais, c'est ça. J'ai apprécié ça beaucoup. Parce qu'on le voit, là, nos membres de la famille, notre petite famille, là, nous préservent, nous indiquent qu'il faut qu'on s'en aille par là, parce qu'on est comme dans un endroit un peu ambigu. Il y a une balise du SF, mais on ne sait pas trop c'est où. Ça fait que là, c'est clair comme ça. Ça fait que merci la gang. Changement de décor. On a été accueillis chez Claude pour dormir parce que là, dehors, il pleut. On le voit-tu? C'est gris. Fait que merci Claude pour l'accueil. Fait que moi, je me suis choisi une belle petite chambre de couleur rose. Là, je suis en train d'aider à Marc à baisser son poids de sac en mangeant quelques bonnes petites bouchées de chocolat et... coconut. Moi, je vous les recommande. Excellent. Puis moi, ben, pour alléger mon sac, j'ai décidé de, vu que je viens de me ravitailler, de me boire une petite bière et de manger une partie de mon souper. Parce que, en même temps, de nous offrir l'hospitalité, on va être accueillis chez Julie qui est juste de l'autre côté. Ouais, on voit la maison qu'elle a. C'est là qu'on va aller manger. Que c'est le gros luxe des anges des sentiers frontaliers. Merci beaucoup. Fait que là, ben, à soir, on va être à chaleur. On va dormir sur un lit confortable. Fait que, patiche. On pensait pas voir ça. C'est comme un peu comme les anges, les Trail Angels là, ou les Trail Magic. C'est un peu un combo des deux parce que là, le souper est... L'accueil nous est offert. Très apprécié. Merci beaucoup, Claude et Julie. Claire aussi, hier, là, qui a participé à cette belle magie des sentiers frontaliers. On est vraiment gâtés. Une belle organisation, là, l'Expédition des Braves Randonneurs 2022. Bon matin tout le monde, jour numéro 6 sur le EBR.
Aujourd'hui, je me suis réveillé chez Claude, notre bon Trail Angel, qui nous a accueillis pour dormir hier soir par une soirée pluvieuse, accompagnée par un bon souper chez Julie. Merci beaucoup. Fait que là, je repars d'où c'est qu'on a été cueillis par nos anges des sentiers. Au bout du 10e rang. Puis là, j'ai décidé de faire un bout dans le chemin parce que je le connais, je l'ai déjà fait. Dans le fond, c'est comme la continuité du 10e rang. Puis à un moment donné, on va s'enfoncer dans les sentiers. Je pense qu'on va finir par croiser le SF2. Mais j'avais le goût de ménager mon corps un peu aujourd'hui. Ben, j'ai mon mollet gauche qui a une tendance à brûler à un endroit spécifique, comme si j'avais une micro-déchirure. Puis vu que je veux le finir, ce sentier-là, absolument, peu importe. Mais là, j'ai la chance de pouvoir ménager un peu mon corps. Puis vu que je connais ce secteur-là, ben, j'en profite pour déjà couper un petit peu le kilométrage, la difficulté. C'est sûr que c'est pas une démarche puriste, mais je veux le finir, ce sentier-là. Ça fait que je prends tous les moyens qui sont à ma disposition pour pouvoir soulager un peu la douleur. Ouais, ben il commence à faire chaud. Ça fait quelques kilomètres que j'ai une belle petite montée. Là, quand même relax, mais quand on marche rapidement, ça fait pomper le cœur. Puis là, ben, je voulais vous montrer, vu que moi, j'ai décidé de prendre un sentier de VTT au lieu de prendre le SF2 ou le SF1 pour ménager un peu mon corps puis enlever un petit peu de distance. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un beau couvert végétal qu'on n'a pas nécessairement une belle vue. Mais c'est sûr, pour ça, il faut prendre une petite pause, servir de bord, puis regarder ce qui se passe autour. Pour ça, des fois, moi, je suis un petit peu plus lent, je prends le temps de regarder autour, mais des fois, je m'attarde. C'est ça qui fait, je pense, que je ralentis beaucoup par rapport au reste du groupe. Je m'attarde des fois, je tombe dans ma tête, puis là, ben, c'est ça. Mais j'aime bien ça, c'est, ça fait que tu sais, je randonne à mon rythme, puis le groupe il se divise en, comme là, on est comme trois groupes. Il y a ceux qui sont rapides, ceux qui sont un petit peu moins rapides, puis moi je suis comme le dernier. Moi je marche vraiment lentement, je suis tout le temps à la traîne, parce que je me filme, j'arrête souvent, je regarde un peu les fleurs, un peu le paysage. Tu sais, souvent, il faut... Tu sais, malheureusement, on vient pas sur nos pas. Malheureusement ou heureusement, parce que ça ferait bien de la distance. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, ce qui se passe en arrière, on ne la remarque pas quand on monte une montagne ou, tu sais, c'est quand on est sur le sommet puis qu'on la redescend qu'on voit quelque chose, mais on ne voit pas l'envers du décor, genre. Ça fait que c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu, malgré le fait que je sois dans un sentier large de VTT, qu'on a quand même, quand on prend le temps de servir et de bord, une belle vue. Ah. Enfin, je suis sorti du bois, puis je suis rendu sur la frontière entre Saddle et Marbre, puis là, je m'en vais rejoindre le mont de Marbre. On voit le beau tracé. Je suis présentement sur le SF1. Je suis sorti à peu près vis-à-vis le SF5, là, dans le fond, là. La voie que je me suis tracé un peu de travers. Ça a bien été, là, mais je commençais à avoir hâte à voir un sentier legit, mettons. Tant qu'on n'est pas rendu au bout, t'as toujours un petit côté hasardeux là, qui me stresse toujours. Mais avec les outils qu'on a, on risque toujours à retrouver notre chemin.
Mais là, j'ai comme, je sais pas si je vais avoir à forcer bien gros, mais j'ai eu l'impression que j'ai eu une montée quand même pas mal progressée, le fait que je me ramasse entre les deux montagnes. La vitesse que ça l'a été, je vais peut-être arriver le premier sur le sommet. C'est tellement pas mon genre. Je suis tout le temps celui qui est à la traîne. Mais là, je vais peut-être être le premier. Mais c'est parce que j'ai pas... j'ai dérogé des règles. Je suis un peu de même. Je suis un peu rebelle sur le bord. Dans le cœur, tout le temps un petit peu. Oh! Un beau tag. Flambant neuf. On le voit. Encore tout beau, là, tout cuivré. Le numéro 470-17. Moi, je remonte vers le mont de marbre, vu que, en théorie, on va rencontrer, moi, je vais rencontrer une gang entre les deux. Fait que je pense, sur le dessus du mont, je vais déjeuner, je vais prendre mon temps. Parce que, mais quand même, moi, j'ai sauvé ben des efforts en faisant ça, je pense, là. Parce que les gens, ils parlent côté du mont de marbre, la montée face de singe. Moi, c'était pas face de singe, pantoute. En tout cas, on va aller voir ça ressemble à quoi l'ascension du mont de marbre. Fait qu'on va aller voir ça, si c'est forçant, cette affaire-là, ou pas. 10h48 au sommet du mont de marbre, brumeux. Tout à l'heure, on avait une petite vue, là, 2 minutes, pendant que je prenais ma photo sur la borne. Ah, la borne qu'il y a là. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme vous pouvez voir, on voit rien. Mais j'ai pas croisé personne dans la descente. Fait que d'après moi, je suis le premier. Mais j'entends des branches craquer un petit peu par là-bas. Je sais pas si c'est du monde qui s'en vient tranquillement ou je sais pas trop. Mais apparemment qu'il y a un petit peu plus bas, un deuxième point de vue. Je vais peut-être descendre puis je vais aller voir justement si ma gang est pas là. Fait que ben, on redescend pour remonter, pour redescendre. Ouais, il vente un peu. Mais c'est vraiment le point de vue que je recherchais. Je vois le petit lac d'Angers en bas. La fameuse pancarte qu'on voit souvent sur les photos des randonneurs qui vont au mont de Marbre. Assez impressionnant. Je pense que je vais en profiter pour aller me faire un petit café en attendant ma gang en haut de la POC, au sommet. Je pense que ça doit être le vrai sommet d'après moi, en haut là-bas, là, de ce que je peux présumer. En tout cas, on a un beau point de vue là aussi. Je vais aller masser là, sur le bord d'une roche, je vais me partir de l'eau chaude, je vais me faire un bon petit café en attendant ma gang. Ouais, ben enfin, je peux vraiment apprécier le fait que j'arrive un petit peu plus vite que les autres pour pouvoir m'étendre un peu. J'ai mis mon matelas de sol à terre. Je vais pouvoir m'étendre un peu. Je suis en train de me réchauffer mon petit café. Drette là. Apprécier la vue qui est drette en avant de moi. Écoute, ça, c'est le setup, là. Là, je suis dedans, là. Ça m'a pris 6 jours, mais là, je peux dire que je suis dedans, tabarouette. Quand on dit souvent d'apprécier le moment présent, ben là, moi, je peux dire que là, je suis en train de le vivre. Chanceux d'être là. Ouais, ça a l'air que ma gang est sur l'autre sommet où il y avait la petite pancarte. Oh là, là, j'entends tout le monde jaser. Ça fait que là, on s'est appelé pour se dire que ça, le dîner serait le point de vue sur le lac d'Angers. Fait que là, je vais juste traîner un minimum. Là, j'ai déjà pris mon petit café, j'ai mangé mon orange. Fait que je pense que je vais emmener une pomme, mon petit saucisson, un couteau, puis ça va être ça. German. C'est Dieberge ou Dasberg? Keine Ahnung. La montagne, tu dis quoi? Die Berge. Die Berge, pas das Berge.
Pas un iceberg. D'asberg? Die Berge? Berge. I don't know if I didn't learn that part. Oh, puis t'as vu ça? Tu sais, on a trouvé une pomme à quelque part en chemin. Ah, oui. Qui ça? Qui? Tu trompé ta pomme? Je comprends pas. Non, non. Quelqu'un qui a échappé une pomme? C'est assez agréable de marcher sa frontière par un beau soleil comme ça. Là, on voit quelques petits nuages. Ah, ça fait changement des derniers jours. Même si hier, j'avoue qu'on a été gâtés là, jusque dans le milieu de l'après-midi. Là, ça réchauffe. Demain, ça va être la totale. Puis dimanche, je pense que le taux d'humidité va être encore plus haut parce qu'il annonce de la pluie. Peut-être dans le milieu de la journée, mais avec genre peut-être un 32 ressenti, là, ouf. Fait qu'aujourd'hui, on en profite. On est chanceux au printemps, il y a de l'eau partout. Et ça me permet d'avoir vraiment... Un minimum, n'importe quelle source est bonne. Surtout de ce temps-ci, là, la neige fond. Fait qu'on a de la. On a de l'eau partout. Je pense que c'est demain ou après-demain qu'on va faire un secteur un petit peu plus difficile. Je pense que c'est après-demain. Qui risque de manquer d'eau. Mais j'espère qu'on va avoir des belles surprises parce que la neige vient juste de fondre. Des fois, elle s'accumule dans les petites coupes là, que la mère nature nous fait. Des fois, un petit peu d'eau. Fait qu'on va espérer. Mais là, comme c'est là, moi, j'étais dû. J'ai attendu 5 minutes. Pouf, il m'est arrivé un beau petit ruisseau. On se refile à ce moment-là. Ouais, ben ça veut tout dire, hein? Me suis planté. Mon bâton, il a barré dans une racine d'une souche. Paf! C'est mort. Fait que là, ben, je vais sortir des skills là, de bushcraft, là, puis je vais essayer de planter un bout de bois là-dedans qui va redire le joint. Je vais remettre la tige à l'intérieur de la gaine, genre, je vais le rétracter dans le fond, je vais essayer de jammer ça là, puis on va faire un bout de même. Ouais, coudon, ça fait partie de la game. Bon, ben, étape 1. C'est de rentrer la tige de bois à l'intérieur de mon bâton qui est cassé. Après ça, on va essayer de rentrer ça là-dedans. Puis après ça, je vais remonter, je pense, mon bâton là, pour être quelque part par là, pour que tout ça, ça se tienne. Puis je vais être pris avec cette longueur-là. Mais c'est pas pire que ça. C'est pas si pire. Ça enlevait qu'il y a une petite courbe. Là, j'ai essayé de la dresser le mieux que je pouvais. Ça m'empêchera pas de continuer ma petite ride. Tu sais, au pire, il me reste toujours la partie haute, là. C'est comme celle-là, je pourrais plus m'en servir. Mais celle qui est proche de la poignée, là, elle, je peux toujours rapetisser ma longueur, mais c'est clair que je pourrais pas rallonger. Just too bad. Mais là, comme on voit, il y a de la mouche. Fait que là, il est temps que je dégage d'ici, là, puis que je continue à descendre vers l'abri des Appalaches. Bon, ben, je suis arrivé, ça fait peut-être 10 minutes à l'abri des Appalaches. Là, ben, je prends le temps de manger ce que j'ai pas mangé à midi, mes petites nouilles. Puis je suis en train de me préparer une petite tisane. Toujours au résineux, là, sapin, pain, épinette. Ce qui traîne, mais là, ça va être genre épinette. Fait que ça a bien été, à part que j'ai cassé mon bâton parce que je suis tombé en pleine face dans le sentier. Puis là, justement, là, la gang disait aussi que c'est ça qui leur était arrivé. Là. Françoise a dit qu'elle s'était aussi... elle avait tombé deux fois. Puis
Marc a glissé un peu. Tout le monde a glissé, je pense. Le secteur, quand on descend du, t'sais, de la frontière vers le sentier des Appalaches, c'est un petit peu plus glissant, là, peut-être parce que c'est un petit peu plus au nord ou chose comme ça. Mais là, on relaxe. Il n'est pas trop tard. Il est rendu 13h33. On attend toujours Linda et Alain. J'espère que ça se passe bien pour eux. On voit des nouvelles sûrement dans pas grand temps. Bon, ben finalement, Alain et Linda sont arrivés sains et saufs, tellement bien sains et saufs, qu'ils sont couchés dans le lean-to déjà, dans l'abri trois faces. Puis moi, ben je vous avoue que je vais aller les rejoindre dans pas grand temps parce que ça a été quand même une belle journée. Mais demain, ça va être une bonne grosse journée. Je pense qu'on doit franchir 18 km. On devrait être en partant une bonne montée. Fait que question de se reposer. Je pense que je ne tirerai pas ça trop longtemps. Il est rendu 9h-10. Là, ben, je suis comme sur le bord du feu qui est en train de s'éteindre. Là. Si on voit rien, c'est parce que presque plus rien. On a séparé les bûches justement pour que ça s'éteindre rapidement. Puis ben, moi je vais aller me coucher en sandwich. Bon matin tout le monde, jour numéro 7 sur le EBR 2022, en direct du beau gros robinet de Mère Nature qui de ce temps-ci est pas mal tout le temps ouvert. Là, il est rendu 8h05. Je pense que ça va être une des premières matinées où ce que je vais partir tôt. Ça va être la première. Déjà prêt, il me restait justement mon petit ravitaillement à aller faire en eau. Je vais purifier ça avant de partir. Puis là, on monte sa frontière pour en faire un petit bout là-dessus aujourd'hui encore, avant de redescendre vers la vallée puis l'accueil du Mont Gosford. En théorie, on aurait quasiment 10, bon, on aurait à peu près 17 km à faire. La température va monter, ça fait que c'est pour ça que tout le monde s'est levé de bonne heure pour profiter de la fraîche. Je voulais vous présenter un peu le setup qu'on avait ici à l'abri des Appalaches. Fait qu'on a notre belle petite abri trois faces, très agréable pour y dormir. Ici, notre petit feu, petit banc, petite bûche pour s'asseoir. On a vraiment des belles installations avec les sentiers frontaliers. Puis, merci beaucoup. Ça fait des années, eux autres, qui sont partis. On voit déjà, lui, bâti. Bâti en 2008. Tu vois, ça vieillit bien. Il y a un petit coin qui est écrasé un peu, là, mais rien de majeur. C'est normal. Hein? Ici, on est un peu comme dans une swamp. Là, il y a de l'eau partout, puis c'est humide. Il y a plein de petites passerelles, justement, parce que c'est comme c'est là. Si ça ne serait pas des passerelles qui y a un peu partout, si on le voit là, on serait arrivé les pieds dans la brouette. Fait que là, ils ont fait attention à nous. Je suis déjà prêt à partir. Fait que là, on rapatrie tout dans le sac, puis on passe à la frontière, puis c'est peut-être là qu'on va se revoir. On a un super beau point de vue sur le mont de Marbre. Point de vue inattendu. Quand on tourne un peu, on a presque une vue sur 360. Une petite vue sur les États-Unis d'Amérique du Nord. Vraiment beau. Ah, une petite race à la frontière de même, quand c'est planche comme ça, c'est assez plaisant, merci.
super bien dégagé en plus. On voit, il y a comme un quatre qui a déjà passé. Il nous fait un beau petit tapis vert, là. On dirait que quelqu'un a tondu la pelouse avant qu'on arrive, comme s'il nous avait déroulé le tapis rouge. Ouais, il y en a qui sont smart. Tain, j'ai décidé de m'installer ici pour déjeuner tranquille, relaxé avec mon petit matelas de sol. Mon déjeuner qui est là. Le petit saucisson. La petite barre tendre, la petite barre énergétique. Surtout, la vue. Ouais, ben j'ai pas eu le choix de me mouiller les pieds parce que le sentier il est vraiment marécageux. Ça me tentait pas de passer des heures à essayer de me trouver une trail juste pour exempter, de me faire mouiller les pieds, mais finalement 10 minutes après son trempe anyway. Fait que j'ai sauté pieds joints. Là, ça va aller pas mal plus vite. Bon ben, je viens de récupérer mon deuxième ravitaillement grâce à Monique. Fait que là, on repart. Comme vous pouvez voir, on est dans la civilisation. Les chemins de terre, les véhicules, les roulottes de chantier forestier. Fait que là, on s'en va chercher la trail du SF1 qui est supposée de longer la rivière Arnaud sur plusieurs kilomètres. C'est un faux plat en montée parce qu'on remonte la rivière. Puis là, ça fait pas longtemps que j'ai mon sac sur le dos. Je le sens, c'est trapèze. Je pense que je l'aurais jamais eu aussi lourd. Ben, j'ai mal figuré mes ravitaillements. J'ai comme une journée de trop. Mais c'était prévu, genre, entre parenthèses. Bon, faut qu'on se tasse s'il y a du monde. C'est la fête de la reine. Le dollar. Les patriotes. Encore, tout dépendant de votre allégeance politique. Fait qu'il y a du monde. Ben, c'est le fun de voir qu'il y a de la vie. Il n'y a pas juste les sentiers et la petite gang. On est quand même dans un territoire habité, occupé. Puis on voit plein de monde avec les packs sacs et tout. Là, c'est le fun de voir ça. Il y a plein de crinqués là, qui profitent de la belle nature qu'il y a ici. C'est ça qu'il faut faire. Quand il fait beau de même, tu pognes tes affaires, tu t'en vas marcher dans le bois. La superbe rivière Arnaud. Fait que moi, je m'en vais par là. Mais n'empêche que ce bord-là aussi, il y a quelque chose de beau à voir. Oh ho! On est à peu près à 30 km des douanes de Woburn. C'est pas si loin que ça, mais en même temps, c'est loin. On devrait être là lundi autour de 1h. Qui vivra, verra. Tiens, je vais me trouver une belle petite plage ici. Juste sur le bord de la rivière Arnaud. Mais l'autre côté, il a fallu que je fasse une petite traversée à aiguille qui se fait super bien. Fait que là, ben, je pense que je vais chiller ici. Là, je vais sortir mon matelas de sol. Pour relaxer au soleil. Prendre ma petite bière de mon deuxième ravitaillement. Mon saucisson. Ça va être moins pesant pour mon dernier 2 km qui me reste à faire. Puis en même temps, ça me permet de profiter de l'après-midi. Il est rien qui rendu dans un instant. 3h moins 10. Puis si j'en ai peut-être pour 1h30, là, vu que c'est quand même une bonne pente. Là. Même si j'arriverai à 4h30, 5h, il n'y en aura pas de problème. Ça fait que là, j'ai décidé. En sortant justement sur le bord de la rive, quand j'ai vu ce petit spot-là, il faut que j'aille là. Fait que là, on s'étale et on en profite.
Ouais, ben vos petits ruisseaux de même, ça donne le goût de boire. Surtout que la montée vers le Mont Gosford est assez tough, là. Ben, je dois être à mi-chemin, là. On va l'avoir. Sœur, je suis arrivé à l'abri... L'abri du ruisseau du Cap. Ouais. C'est un bon cardio, c'est une pente qui est constante. En même temps, en arrivant, je vais aller me faire un petit refil aussi, un petit peu en bas avant d'arriver. Un petit refil en eau. Puis là, ben... Je pense que je vais aller éventuellement me préparer un souper. On fait de la misère, je suis brûlé raide. Puis je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que là, je pense que je vais m'occuper de mon corps. C'est le temps de le nourrir puis de le reposer. Bon matin tout le monde. Hey, je m'en viens bien. Il est même pas 8 heures. Il est 8 heures moins 22 même, je pourrais dire. Un record pour moi sur le EBR 2022. On est la journée numéro 8. Là, il y a les filles en haut qui sont en train de s'attendre. Martine, Françoise et Patricia. Moi, je suis tout le temps le dernier parce que vu que je vlogue un peu puis que je traîne la patte, fait que, puis là, ben justement, les joyeux randonneurs qui sont sur le bonheur aussi, sur le piton. Aujourd'hui, je m'apprête à faire un secteur, là, c'est difficile, apparemment. C'est difficile, pas d'eau, de la distance, beaucoup de montées, de descentes. Fait que là, on part quand même de bonne heure à cause de tout ça, puis parce que ça donne de même. On est chanceux aussi. La température est avec nous autres. C'est pour ça qu'on part de bonne heure. Il annonce chaud aussi aujourd'hui. Ça fait que ça va être... On part de bonne heure, c'est une bonne chose. Ravitaillement avant de... Bon. Je sais qu'un petit peu plus haut, on aurait pu se ravitailler, là, jouer éventuellement, qu'on va recroiser le ruisseau. Mais on l'a fait directement en bas ici. Fait qu'on a une petite montée à faire avant de partir sur la c'est difficile que les filles disent. Fait que là, on est plein d'eau. J'ai 1,75 litres d'eau. Qu'on va boire avec modération parce qu'après ça, on part sur, j'ai vu, je pense que c'est 5,8 km là, de difficulté. Fait que là, je me prépare mentalement à souffrir et à boire chaud. Mais un pas en avant de l'autre, là, puis ça devrait bien aller. Je devrais plutôt dire un pied en avant de l'autre. Là est la vraie expression. Ouais, ben je pense que c'est ici que ça commence à être assez difficile parce que là, je regarde en avant de moi. Je vais vous montrer un peu la pente. Je sais pas si ça va bien représenter l'inclinaison, là, mais ça risque d'être quelque chose. Je vous montre ça. Fait que ça, c'est ce que je vois quand je regarde en avant de moi. Puis là, quand on lève les yeux,
ça monte jusqu'au ciel. Ouais, ça fait que là, je suis en train de me minder tranquillement, pas vite, là, à avoir mal au mollet, souffrir. Yeah! On est rendu à frontière. Nous autres, on prend le sentier numéro 1, le SF1. C'est le genre de sentier qui me faisait peur quand je regardais un peu la topographie puis la longueur. Puis le fait d'être en petite gang, je sais qu'il y a toujours quelque chose là, qui peut... c'est tout le temps une petite gang qui peut venir à ma rescousse. Fait que ça, pour moi, c'est sécurisant. Puis pour le plaisir, je vais vous montrer une belle borne là, de la frontière. Hein? Ça, c'est une preuve comme quoi je suis vraiment sur la frontière. Fait que là, j'avance tranquillement pas vite au gros soleil. Faire attention pour bien m'hydrater, pour pas souffrir de déshydratation puis perdre mon énergie. Puis je viens de penser à ça, je pense que je vais mettre un peu d'électrolyte dans mon eau là, pour m'aider à garder un peu mon énergie. Puis ben, je m'apprête à descendre tranquillement pas vite vers la prochaine montée. Voilà, apparemment c'est ça toute la journée. On a une méchante belle vue sur la frontière, toutes les montagnes qui autour, puis aussi sur genre la descente que je m'apprête à faire, qui est quand même assez vertigineuse. Là, j'entends les filles qui sont sur le côté droit. Ils descendent tranquillement, pas vite, là. Ça fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe là. Je pense qu'on va y aller. Tout à l'heure, je suis allé de reculons. Il y a peut-être ici aussi certaines places qu'il faut que j'aille de reculons. Je lance mes bâtons, je vais y récupérer plus bas, puis je descends m'accrochant après les roches. Ouais. Oh! Ah! On va aller voir ça. Martine a dit qu'il y a du stock à dire. On va aller voir ça. Fait que là, c'est ce que je vais faire. Je pense, comme je disais, je vais lancer mes bâtons dans le bas de la côte, puis je vais y récupérer, puis ici, je vais descendre reculons, parce qu'on le voit, là, c'est juste des racines. On ne peut pas descendre face première. Puis je vais lancer mes bâtons au fur et à mesure que je vais avancer, genre... Bâton, pas le choix. Parce que ça me tente pas de les accrocher après moi, ça va me barderer. Ça fait que je vais aller chercher mes bâtons plus bas, puis je vais les relancer plus bas, puis je vais y aller de reculons. Il fait chaud, là. Fait que c'est ça que j'ai fait tout à l'heure, là. Tu sais, je voulais pas m'essayer de glisser ses fesses, puis risquer de me briser le coccyx, là. Puis caller un hélicoptère pour un coccyx cassé, là, c'est pas très glorieux, mettons. Fait qu'on va y aller tranquillement, on va faire face à la montée, puis on va descendre ça de reculons en s'accrochant après tout ce qu'il y a. Puis le but, c'est de se rendre en bas en un seul morceau. Ouais. Fait que c'est ça que je viens de descendre. Fait que tu t'accroches après les racines, après les arbres, après les souches, après tout ce que tu peux, puis tu descends de reculons. Ouais, ben la chaleur commence à être accablante. C'est pas si pire en frais d'effort, là, comme c'est là. C'est tellement technique qu'au niveau cardio, c'est pas tant pire, mais c'est vraiment au niveau de regarder nos chaque pas qu'on fait. Faut que ça soit payant, faut que ça soit solide. Fait qu'on fait attention, mais au moins, vous voyez, là, les points de vue qu'on a, au moins, nos efforts nous payent par les beaux points de vue qu'on finit par voir un moment donné. Sache avec les filles en train de prendre une petite pause. On va redécoller, ça sera pas trop long. Françoise et puis Patricia qui fait dos à nous. Martine qui est dans la côte, qui est en train de refaire son sac. Puis on tardera pas parce qu'en arrière, on a vu qu'il y avait des gros nuages. Mais c'est drôle, là, ça se dégage. Mais on va finir par l'avoir, j'ai l'impression. On va l'avoir. Ouais, c'est ça. Bon, ben là, c'est difficile, c'est vraiment difficile. On a fait encore une petite ascension, mais je voulais vous montrer en même temps tout le point de vue qu'on a sur les montagnes quand on fait une bonne montée. C'est toujours payant au niveau du plaisir, du panorama qui s'offre à nous, ça. C'est à condition qu'on prenne le temps d'arrêter puis de s'en virer de bord.
puis d'apprécier. Fait que ça, c'est le fameux trou du diable. On s'apprête à descendre, mais sur le côté du bois. Il y a un sentier qui est pas mal plus abordable que celui-là là, qui descend en face de singe. Fait qu'après ça, on va descendre tranquillement, pas vite, vers le camping du trou du diable. Puis nous autres, on est supposé d'avoir un abri un petit peu plus loin. On va aller voir ça. Ah ouais, plein de trucs, là. Faut que ça soit gras. Oui. Mais on sent la fraîche, là. C'est fou, hein, comment que dans le trou du diable, il fait froid, là. C'est ce que les filles me disaient, puis là, je le ressens, là. C'est vrai qu'il doit faire un bon 4, 5, 6 degrés de moins que d'en haut de la pente, là. Dans le fond, de là. Bataille, enfin sorti du bois. Là, c'est difficile, mais c'est possible. Oh, je suis brûlé, redaille. Ça, c'est la plus tough que j'ai faite à date. Fait que là, je m'enligne sur l'abri du ruisseau Morin. Ah, puis là, tiens, là, ça va 6h30. Hier, il était 7h, ça a commencé. Même pas à toi une pierre. Bon matin tout le monde. Jour numéro 9 sur le EBR 2022. Ouais. C'était moi qui étais préposé au startage de feu. Puis grâce aux données au suivant que Linda vient de m'apprendre. Il y avait du petit bois sec en dessous de l'abri où c'est qu'on était. Parce que comme avant hier, plutôt, on a essuyé une grosse orage encore. Ça fait que tout est humide. Fait qu'il n'y a rien à faire avec le bois qui est autour. J'ai réussi à faire un petit fond, là, mais heureusement que on a découvert qu'il y avait un petit peu de bois sec en dessous de l'abri. Ça fait que là, on va être capable de se faire un petit feu, là, puis quand même bien parti. On a un petit tas ici, là, on le voit, là. Ça, c'est en dessous de l'abri. Fait que c'est à ça que ça sert quand on donne au suivant, qu'on ramasse des petites branches qu'on en met en dessous de l'abri. Ça nous dépanne quand ils viennent de pleuvoir et qu'on peut se faire un feu le matin. Et bien là, moi, je vais continuer à l'alimenter. Après ça, ben, ça va être l'heure de se faire un petit café. On va pouvoir se réchauffer les mains sur le feu. Ça va être bien plaisant. Bon, ben là, pour la première fois, c'est moi qui pars le premier avec le toupette dans le vent, toutes les choses. Magnifique. Ben, j'ai parti le feu, j'en ai pas profité tant que ça, mais ça dérange pas. On y va. Belle pause méritée. Après 15 minutes de marche, on a bien été reçus. Petit café, ben, petite tisane, carré de chocolat. Rencontre inattendue, mais bien plaisante. Bon, ben on est à 3,8 km de la douane de Woburn. Ça va bien. C'est le fun, on a eu un petit comité d'accueil à peu près au kilomètre 6 avant la fin. Puis là, on descend tout le monde ensemble, on jase, on se compte des histoires. Fait que ça fait une belle finale. Puis en plus, tout en descente. Puis là, on est quand même pas mal de niveau parce que là, c'est la swamp. Je viens de me tremper les pieds. Fait que c'est pas très difficile. Ça permet de relaxer puis de prendre le temps d'admirer un peu le paysage. Parce que ces derniers jours, on les a fait un peu à la course. Mais là, on prend le temps de vivre cette expérience-là, tout en famille. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut en profiter, là. Il reste 3,8 km. Monique est en train de me dire qu'ici, avant, c'était un petit ruisseau. Quand même assez incroyable, là, ce qu'un castor, ça peut faire. Puis c'est ça, avant ça, le sentier passait direct ici. Puis apparemment qu'il a fallu qu'il déplace quelquefois là, les balises pour permettre aux randonneurs de traverser ça de manière sécuritaire. Ça fait que là, on est complètement côté gauche là, du lac. Intéressant à savoir. Hein, tout le monde est arrivé. La direction, la collation. J'avais juste en
C'est une belle réception à notre arrivée. Puis merci à nos autres de nous accueillir. Ouais. Alexandre. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Accueil très chaleureuse. Monique nous a fait une super de belle soupe et un beau goûter. Merci Monique. Pour terminer ce beau petit vlog-là de la journée numéro 9, qui se trouve être la dernière journée dans l'expédition des Braves Randonneurs 2022, j'ai décidé de finir ça proche de chez nous, juste en arrière. Dans le fond, moi, je suis chanceux, j'ai ça direct en arrière de chez nous. Des beaux petits sentiers, homemade. Fait que pour me déposer tranquillement, j'ai décidé de prendre une douche, de faire le tour du terrain avec ma blonde qui m'a montré l'évolution de toutes les plantes là, depuis qu'on est parti. La nature s'est déployée de manière fulgurante. J'ai décidé aussi de randonner avec mon petit chien qui est là, Lucie. Là, ça me permet de vous dire à quel point que j'ai aimé ça, randonner avec toute la gang des braves randonneurs. Ouais. Ça se peut qu'on voit des chevreuils passer. C'est comme l'air où ce qu'on les voit se promener un peu autour. Ce serait le fun de pouvoir vous montrer ça, qu'on a quand même près de la maison la belle nature, la belle faune. À travers ça, les 11, on a dû faire face à la pluie, au froid, aux moustiques, la chaleur extrême, les difficultés du terrain, la boue un peu partout, la neige, la glace. Écoutez, 120 km de défi pour les braves randonneurs. Bon, le chien court des fois après les écureuils. Puis les sentiers frontaliers ont tellement fait aussi un beau travail de rallier tous ces gens-là qui viennent de différents univers. Je regarde tout le temps sur le côté si je ne verrais pas des chevreuils, parce que dans le fond, c'est pas mal ici, dans le fond, sur l'heure du souper qui se tiennent. On va aller voir s'il y en a. Ouais, ben d'après moi, à cette heure-là, ils doivent être plus dans le bûcher parce que là, comme c'est là, on voit rien. Ils sont pas à l'orée des bois, dans le champ. Mais en tout cas, moi, je vais continuer ma randonnée avec mon petit chien. Là, je sais pas, il est rendu où. Là, il est allé se cacher dans le bois. Là, il est quelque part là-dedans. Là. Fait que je vais l'appeler. Puis là-dessus, je vais vous dire ciao.